dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, vidéo à thème, puisque nous sommes lundi. J'ai réfléchi un petit peu au sujet qu'on allait aborder aujourd'hui. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de traiter des vidéos pour apprendre à mieux me connaître. J'ai réfléchi sur le sujet, je me suis demandé de quoi on pourrait parler. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la vie dont j'aurais rêvé. Alors, ça va être un petit peu utopique, hein, parce que... Après, je dis pas que c'est irréalisable. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est utopique. En fait, quand j'étais petite, je rêvais d'être institutrice. C'était quand on me demandait, quand j'étais en primaire, on me demandait ce que je voulais faire comme travail. Je voulais être institutrice. Au final, on en est loin. Quand je suis arrivée au collège, je me suis prise de passion pour l'anglais. En fait, ma maman parle anglais et quand je suis entrée au collège, elle m'a beaucoup aidée. Donc du coup, ça m'a aidée à avoir de très bonnes bases. Et en fait, ça me plaisait comme j'étais douée. Donc j'aimais bien et mon prof d'anglais m'avait dit « Mais tu ferais un très bon prof d'anglais, tu sais. » Non, surtout pas. Ça voulait dire travailler avec des collégiens, des lycéens. Non mais au revoir quoi, sans moi. Donc non, c'était pas un truc pour moi ça. À la limite, les enfants, ça me dérangeait pas. Mais collégiens, lycéens, vu les mentalités et tout, moi je suis pas prête à m'affronter, à me confronter à ce genre de profil. Donc non, ça me branchait pas du tout. Et quand je suis sortie du collège, j'avais décidé d'être interprète. Alors, je ne l'ai pas fait parce que j'ai été victime d'un accident domestique quand j'ai eu 14 ans. J'ai pris une friteuse sur les jambes. Donc j'ai eu les jambes brûlées au troisième degré, j'ai été hospitalisée pendant plus d'un mois, j'ai raté un trimestre complet de mon année de troisième, et comme par hasard le deuxième trimestre, donc le plus important. Et en fait, quand je suis retournée au collège, on m'a demandé mes vœux d'orientation. Donc j'ai rempli mes vœux d'orientation, donc je voulais du coup aller en seconde européenne. Et quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation pour la seconde européenne, en fait, ma maman m'a avoué que, ben en fait, elle et mon professeur principal, pendant que j'étais à l'hôpital, ils avaient demandé mon redoublement. Sauf que personne ne m'en avait parlé. Donc j'étais assez en colère. Et du coup, ben, en tout ado rebelle que j'étais, j'ai arrêté de travailler. Parce que j'étais vraiment très en colère, parce que j'étais acceptée en seconde européenne anglais et... Et c'était le drame de ma vie. Donc, je me suis rebellée, j'ai arrêté de travailler. Donc déjà, j'ai pas eu mon brevet. J'ai redoublé donc ma troisième. J'ai rien foutu pendant toute mon année de troisième. Donc j'avais des... Voilà. Il faut savoir que quand je dis j'ai rien foutu, j'avais la moyenne. Mais je ne fournissais pas d'efforts. Et donc, je suis sortie de mon année de troisième avec un 12 de moyenne générale. Donc, un peu moyen. Et j'ai eu mon brevet. Sauf que par rapport au dossier que j'avais, enfin, par rapport à l'année que je venais de faire, je n'ai pas été reprise en seconde européenne anglais. Et donc là, je me suis dit, va falloir trouver autre chose. Donc je me suis orientée dans le secrétariat. Maintenant, si j'étais restée dans cette idée d'interprète, je pense que j'aurais vraiment pas eu la vie que j'ai eue, parce que je serais très certainement partie à l'étranger et certainement aux États-Unis, puisque à l'époque c'était un peu mon rêve. Mais quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, ma vie de maman de 5 enfants, je me vois plutôt dans ce contexte-là en fait, plutôt dans le contexte d'une maman. Donc dans une vie idéale, encore une fois, j'aurais mes 5 enfants. J'aurais mes 5 enfants parce que je changerais rien en fait. Enfin, j'aurais pas envie de changer ce que j'ai accompli jusque-là, le fait de m'être arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Mais dans une vie idéale, effectivement, j'aurais été en couple avec Eric, j'aurais eu une famille unie et soudée comme c'était notre projet quand on s'est marié avec Eric, et on aurait habité dans une maison. J'ai pas forcément d'endroit particulier où j'aurais envie d'habiter. Juste, j'aimerais avoir la ville à la campagne. Quand j'habitais à Chemillé, c'est exactement ce que j'avais. En fait, on n'était pas dans une grande ville hyper rurale avec le tram, le machin, le métro, etc. Mais on avait tout.
On avait plusieurs supermarchés, plusieurs collèges, plusieurs écoles. On avait des commerçants à tout va. Enfin, on avait déjà des agents d'intérim, des opticiens, des spécialistes de la médecine, dentistes. Enfin, on avait tout sur place. Mais pourtant, c'est la campagne, Chemillé. C'est pas une ville comme Cholet, Nantes, Angers. C'est pas la grande ville. Et donc, c'était un bon compromis. J'ai envie de dire parce que on avait la campagne, donc les avantages de la campagne, mais on avait toutes les commodités de la ville à proximité. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, j'aime bien ma maison, je me plais dans ma maison. Non, c'est pas cette maison-là que je garderai. J'aimerais avoir une maison avec un énorme jardin. Parce que je voudrais avoir des poules. Et après, j'aimerais avoir une vache pour faire du lait, j'aimerais et du beurre. J'aimerais avoir une chèvre, mais plus pour le plaisir, en fait, parce que je trouve ça rigolo d'avoir une chèvre. Pour les enfants, un petit peu, hein, d'avoir un petit poney aussi pour les enfants, ou même un double poney pour qu'ils puissent monter, ou même un cheval. Enfin, j'ai déjà eu des chevaux, donc et j'ai adoré ça. Et voilà, c'est dans une vie idéale, j'aurais effectivement un très grand jardin avec des animaux, avec des arbres fruitiers, avec un grand jardin en permaculture qui nous permettrait de vivre en autosuffisance. Parce que le réel grand projet de cette vie idéale, ce serait vraiment l'autosuffisance, c'est-à-dire d'avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit de façon à vraiment ne plus avoir d'électricité à payer, d'avoir un puits pour utiliser l'eau de notre puits et de ne plus avoir d'abonnement d'eau collective. C'est plein de projets comme ça, c'est du coup effectivement de pouvoir rester à la maison, c'est-à-dire de pouvoir gérer la maison. Donc dans l'idéal de cette vie en autonomie, ce serait effectivement de ne pas être seule. Ce serait de pouvoir se contenter d'un seul salaire, mais d'un salaire à mi-temps. C'est-à-dire que mon conjoint, dans la vie idéale, pourrait se permettre de travailler en mi-temps sans que financièrement ce soit difficile pour nous. On se serait acheté une maison qu'on n'aurait pas payé très cher et qu'on aurait peut-être amélioré nous-mêmes, qui du coup en termes de crédit nous coûterait pas très cher, qui nous permettrait de faire tout ce concept de vie en autosuffisance. Je sais pas, peut-être que quelqu'un connaisse la Beaufour Family, ils ont une chaîne YouTube et eux c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je les suis d'ailleurs, parce que quand j'ai vu leur première vidéo où Ophélie expliquait en fait son mode de vie, je me suis dit, non, mais ils ont réalisé mon rêve, quoi. Et du coup, je prends plaisir à les suivre. Et comme je parle avec elle aussi un petit peu en privé sur Instagram, et c'est une personne très gentille. Et je rêverais de pouvoir partir en vacances et d'aller les visiter, en fait, sur notre passage. J'aimerais beaucoup pouvoir les rencontrer en vrai et puis voir leur projet accompli. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Maintenant, je dis pas que ça sera pas impossible. Alors maintenant, mon projet à moi d'aboutissement, il faudrait que j'ai un emploi à temps plein. Et si j'ai un emploi à temps plein, est-ce que j'aurai le temps d'entretenir tout ce qui est tous les animaux, de faire toutes les préparations maison, parce que le principe de l'économie aussi, c'est de faire le maximum de préparation alimentaire maison. Sauf que pour ça, il faut du temps. Et quand on n'a pas de temps, on prépare des choses vite fait, ou alors on achète des choses, des aides culinaires. Par exemple, on va pas préparer la pâte à lasagne nous-mêmes. On achète encore des gâteaux industriels, on n'a pas pour gain de temps, en fait, des yaourts, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on pourrait ne pas acheter, parce qu'on pourrait les faire nous-mêmes. Et moi, je m'étais renseignée par rapport à au fait de faire son lait soi-même, c'est-à-dire on traite la vache, on récupère le lait, on peut écrémer le lait, parce que nous, on prend du lait soit demi-écrémé, soit écrémé. Mais moi, je trouve que le lait écrémé, il a plus le goût de lait, en fait. Alors après, c'est un avis perso, mais Anaïs, elle adore le lait écrémé.
J'ai regardé, tout ça, c'est des choses qui sont jouables. Et même faire son beurre soi-même, c'est pas des choses qui sont irréalisables. Donc, oui, ça demanderait du temps. Ça demanderait peut-être de se lever un petit peu plus tôt le matin. Et je me dis que dans une vie utopique, eh ben, j'aurais cette possibilité de me lever tôt le matin et de pouvoir aller traire la vache avant le réveil des enfants, ce qui me fera gagner du temps sur le reste de la journée. Mais à la fois, c'est un projet que je ne pense pas réaliser toute seule parce que ce ne serait pas réalisable. Là, on est vraiment dans l'ordre de l'utopie. Mais si un jour j'arrive à me remettre en couple et que mon conjoint est tenté par cette aventure, je serais mais tellement heureuse qu'on puisse réaliser ce projet. On resterait dans notre démarche de zéro déchet puisque j'avoue que je ne suis pas un exemple hein, en termes de zéro déchet. J'essaye vraiment, mais je pense que c'est quand même assez important de limiter les déchets pour la planète, c'est quand même hyper important. Je vais investir prochainement dans, je pense que tout le monde connaît cet appareil, dans la yaourtière multi-délices, parce que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des yaourts. Donc je vais faire moi-même des yaourts, je vais faire moi-même de la compote, je vais faire moi-même des desserts, tout ce qui est des crèmes dessert, des entremets, etc. C'est des choses qu'on peut faire soi-même et qui ne prennent pas longtemps. Et le tout va être pour moi d'avoir un grand stock, pardon, de pots. Parce que il me faut des pots pour la compote, il me faut des pots pour la crème dessert. Après, c'est pas obligé d'être stocké dans des petits pots. Mais pour les yaourts, oui. Mais tout ce qui va être crème dessert, ça peut être fait en gros. Et maintenant, si je les fais dans la yaourtière, ouais, il me faudra quand même plusieurs pots. Bon. J'ai déjà 6 pots. Chez moi, alors que j'ai même pas encore la yaourtière, j'avais acheté pour faire des petites verrines une fois. Et comme j'avais déjà à l'époque pour projet d'acheter cet appareil, je m'étais dit, bah, je vais prendre ceux-là, comme ça je les aurai d'avance. Donc j'ai déjà 6 pots, la machine est vendue avec 12 pots. Je pense que je rachèterai 12 pots. Et avec cet appareil, on peut faire du fromage blanc, on peut faire des yaourts, on peut faire des crèmes dessert, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je me dis, ça permet de varier un petit peu les goûts, parce que les enfants se lassent vite hein, des yaourts qu'on fait soi-même. Et je me dis que, ben voilà, si chaque soir, j'arrive à faire une préparation de 12 pots, en sachant que nous, on n'en utilise que 6, et encore pas complètement 6 par jour, si j'en fais tous les soirs, ben, ça, j'aurai un stock qui va me permettre de tenir, voilà. Donc, ça, c'est pas utopique, c'est totalement réalisable. Mais dans une vie idéale, oui. J'aurais un conjoint et mon travail à moi, ce serait de faire en sorte qu'on puisse être autosuffisant et se nourrir de tout ce qu'on aura à la maison. C'est-à-dire que moi, ça va être mon rôle et mon métier, ce serait d'entretenir les animaux, de cultiver les légumes, de préparer les repas, d'entretenir la maison, l'administratif, tout ce que je fais aujourd'hui, mais en plus. J'ajouterais effectivement l'entretien des animaux et d'un potager et d'arbres fruitiers et voilà, ce serait ça en fait le point principal de ma vie idéale. Ce serait vraiment ce principe d'autosuffisance qui nous permettrait de profiter de notre argent différemment. Donc eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si c'était très structuré, je ne le pense pas. C'est un petit peu parti dans tous les sens au fur et à mesure de mes explications, mais je voulais vraiment que vous compreniez ma façon de penser, en fait, puisque autant je peux être quelqu'un de très changeant, et ça je le dis régulièrement, que ce rêve-là, ça restera mon rêve. Ça restera mon rêve, puisque c'est déjà dans ma tête depuis des années et que c'est pas quelque chose qui a changé. J'ai toujours envie de cette vie. J'ai toujours envie de me suffire à moi-même, de ne pas dépendre de l'économie de mon pays, de ne pas, même si quelque part on en est toujours un petit peu dépendant, mais le moins possible, c'est le mieux possible. Voilà. Donc, je vais vous laisser puisque cette vidéo arrive à son terme. On a fait le tour de l'histoire. J'espère que vous l'avez appréciée et je reviendrai pas forcément sur ce sujet-là, mais j'aborderai d'autres sujets
pour que vous appreniez à mieux me connaître, puisque visiblement ça semble vous plaire. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être fidèle à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si ce n'était pas encore fait, c'est important. C'est comme ça que vous me soutenez et c'est comme ça que moi j'avance. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Et quand je dis à très bientôt, c'est même à demain pour un nouveau vlog. Ciao !